Bonjour à tous, bonjour la team Biquette, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver sur mes chaînes, donc merci à vous d'être là, de me suivre et de me soutenir. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur un nouveau jeu sur téléphone, Knight Rider Attack Out RPG. Ce jeu est sorti aux alentours du 25 juin 2024. Knock Note, voici votre nourriture, jeu de RPG inactif, de chevalier, de livraison de nourriture. Lol, c'est une Uber Eats quoi. Donc actuellement, il y a à peu près une note de 3,5 sur à peu près 2000 avis, et il y a à peu près 100 000 téléchargements. Donc, moyen, voilà. Peut mieux faire. En tout cas, on va tester tout ça, voir ce que ça donne, et voir si ça vous donne envie de le tester ou pas. Ok, donc là, voyons voir un petit peu ce qu'il nous propose. Donc là, il me propose de l'attaque, de la vie, de la défense, la vitesse d'attaque, je présume, coup critique, défense critique, attaque, ok, il y a pas mal de choses. Il faut appuyer dessus pour partir, ok. Équipé. Alors là... J'ai trois monstres, ça se fera tout seul. Ça, c'est quoi le gear? J'ai pas... Ah, c'est les équipements. Équipé, déjà équipé. Ok, là vous voyez les équipements qui sont déjà. Là je peux améliorer ça. Je prends aussi, comme je dis, hein. S'il y a 2 sur 3 et qu'il y a de l'attaque, je prends pour moi. Passif, n'oubliez pas de les mettre, hein. C'est passif, mais au moins ils les utilisent. Mais écrit, hein, si vous êtes me battez pas pour les obtenir, vous les aurez pas. Ok, alors oui, on voit qu'est-ce qu'il me propose. À la box, ça c'est bien, je me suis préinscrit. Pas mal de petites récompenses avant. Alors là, c'est écrit en anglais. Voyez voir, est-ce que je peux changer la langue? J'ai été écrit en chinois, lol. Même si c'était écrit en anglais, bizarre. Enfin bon, de toute façon. Ranking d'ailleurs, ok. Donc là c'est quoi? Ok, là c'est pour monter les niveaux, c'est votre niveau dans votre aventure. Accepter call, ok. Trois fois le défaut. J'aide d'avoir le mode auto comme ça. Il charge automatiquement. Une grade. Il sera tout seul. Donc après là dans Gear, qu'est-ce qu'il vous propose? Donc là c'est les armes, armures, accessoires et monture. Là tu peux évoluer pour monter. Bon pour moi je vous conseille de pas évoluer pour l'instant, ça sert à rien au début. Là vous montez votre stat. Montez vos stats, les skills, space, costume, ok, pour améliorer. Niveau 16, ok. On n'a pas longtemps, je vais avoir le nouveau mode. Ah, ça c'est quoi? Story. Automatique. Donc là il fait tout seul, j'ai rien à faire. Donc on va essayer en mode manuel. Pour montrer à quoi ça ressemble. Accepter, livraison manuelle. J'ai perdu, je suis pas assez fort. Ok, mais bon, vous avez vu, ça change pas grand chose du manuel ou automatique. Hein. Je pense que automatique c'est même mieux. Ah non, mince, j'ai fait retry sans faire esprit.
J'ai perdu. Donc non, je retraite pas. Give, oui, give. Voilà, donc là, c'est des modes un peu de story que vous venez de voir. Pour invoquer. Ah, j'avoue. Spaghetti, yes. Donc ce bouton-là, c'est pour invoquer. Donc Fire et Gear après. Je sais pas ce que vous invoquez quoi. Ces équipements. Ah. Là c'est... Ok, c'est des compagnons je pense. Non, c'est ça. On va voir. Ouais, vous avez là les fly, vous aurez des compagnons en plus. Pour vous rendre encore plus fort. Donc voilà, vous voyez un petit peu le jeu. Bon, j'ai déjà fait pas mal de jeux un peu similaires. Mais pour apporter de la bouffe, non. C'est la première fois. En plus, je cache pas que la couleur est exactement pareille que la que Uber Eats. Je me trompe pas, c'est pas Uber Eats, hein, c'est ça. Donc ça ressemble vachement. Donc voilà. Bon, le jeu est pas trop mal. Vous avez pas mal de diversité. Il y a pas mal de choses à faire. Je pense qu'il y aura d'autres missions ici. Voilà, pas mal de choses à améliorer dans les stats ici. Vous avez pas mal de stats à améliorer, c'est pas mal. Vous aurez des compagnons et des pouvoirs à mettre, donc c'est pas mal du tout. Donc il y aura pas mal de choses à faire dessus. Donc je trouve plutôt intéressant. Donc personnellement, graphisme, même si je suis pas trop fan de tout ce qui est pixel, je pense que je donnerai peut-être un 4,2, 4,5, je pense, comme note. Et pas mal, donc il y a pas mal de choses à faire, donc intéressant. Donc si vous voulez tester, faites-vous plaisir. Sur ce, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à me laisser un petit pouce bleu sur les vidéos, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à cocher la cloche, comme ça vous pourrez suivre toutes les nouvelles vidéos que je pourrais sortir. Voilà, allez, sur ce, bonne journée à tous et bonne game. Ciao ciao.